I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, une autre émission spéciale. Je suis avec mon co-animateur Benoît Laferrière qui est Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. C'est un honneur d'être ici ce matin parce qu'on a un invité très spécial. Yes, c'est qui? C'est un nommé Chase Ironside, anciennement connu sous le nom de Piranha, pardon. Hey, comment ça va? Comment ça va? Ben, ça va très bien, vous autres. Yes. Hey, gros retour là, récemment de Chase Ironside, un vétéran au Québec qui n'a plus vraiment besoin d'introduction, honnêtement. Ouais, je pense qu'il est assez connu. Ben oui, c'est... Écoute, c'est vraiment cool que tu aies pu prendre quelques minutes avec nous autres pour qu'on puisse passer en revue un peu tous tes accomplissements, mais aussi, tu sais, des trucs qui tiennent à cœur, puis tout ça, tu sais, fait que... Ben, je pense qu'on va passer vraiment un bon moment ensemble. Puis, ben, vas-y, mon Ben. On t'appelle-tu Chase, on t'appelle-tu Charles, on t'appelle-tu Piranha? Comme vous voulez. Bon, ben, Chase, dans ce cas-là, à quel âge t'as commencé à t'intéresser à la lutte? OK, m'intéresser, c'est différent de commencer à lutter. J'ai commencé à lutter en 97, à faire des pratiques de lutte avec Marc le Grizzly, The House of Bumps, ce qu'on les appelait dans le temps. Yes. Oui. Mais m'intéresser à la lutte, j'ai commencé vers 16 ans à peu près. Parce que moi, j'étudiais en cinéma. Puis je faisais beaucoup d'improvisation, des shows, animation de shows aussi à l'école et tout. Et fait que moi, je m'en allais dans cette branche-là. Puis un après-midi, mon cousin m'appelle. Lui, c'est un gros fan de lutte. Lui... WCW, WWF à l'époque, là, lui, c'était un gros fan. Là. Puis lui, il était plus jeune que moi, fait qu'il m'a appelé pour me dire, écoute, ils viennent au Centre Monson, puis mon père pourra pas venir avec moi, puis il veut pas que je prenne le métro tout seul, fait que ça te tente-tu de venir avec moi? Ben, je dis, ben oui, moi j'aime tous les genres de show, fait que je vais aller voir c'est quoi live. Là, à la TV, tu le vois, là, mais c'est pas pantoute pareil que quand t'es live, là, tu sais. Fait que on s'en va là-bas, puis écoute, j'ai trippé comme un enfant de 4 ans. Là, on était deuxième rangée en plus. Fait que je m'avançais tout le temps, me donnais la main au lutteur, puis ça se faisait tout seul. Là, je trippais là, comme un enfant de 4 ans. Là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la lutte. Là. Oui, c'était en 97, si ma mémoire est bonne, c'était au Forum de Montréal. C'était le Centre Molson. Sur le Centre Molson, c'est ça. C'était genre qu'il fait venir la WCW à Montréal. Puis la finale, c'était contre Hogan. Mais il y avait tellement des grands lutteurs ce soir-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est fou. Là. Il y avait les Booker T, les Ric Flair, les Hogan. Hogan, Jeff Jarrett. Ouais, tout le monde était là. C'est fou, là, ce soir-là. Puis, tu sais, je vous le dis, là, moi, je m'en allais dans la branche de cinéma. Fait que tout ce qui était spectacle, là, j'adorais. Puis j'étais un gros sportif aussi en partant, fait que ça l'englobait là, vraiment là, tout ce que je voulais là, de la vie finalement. Là, okay. Yes, puis dans le fond, à partir de ça, toi j'imagine que tu t'es mis en écouter avec ton cousin et tout ça, tu sais. Ouais. Qui ont été, dans le fond, tes inspirations, qui ont été tes lutteurs préférés? Ou lutteuse préférée de ta jeunesse, dans le fond? OK. C'est sûr, quand je connaissais pas la lutte encore, je t'aurais dit pas mal la même chose que tout le monde. Tu sais, Hulk Hogan, Macho Man, Sting aussi, là, c'était les gros noms là, que moi, je trippais là, à voir aller. Mais quand j'ai commencé à faire la lutte, là, ça a changé beaucoup. J'ai eu un temps que c'était Mr. Perfect, Kurt Hennig. Ça, écoute, c'était un des meilleurs lutteurs que je voyais aller. Puis, ben, côté lutte technique, là, mon idole, ça a toujours été Dean Malenko. Je vais en surprendre peut-être plusieurs, là, parce qu'au micro, non. Il est excellent, zéro,
Zéro pin bar, là, je m'excuse, Dean, si tu m'écoutes, là, mais il y avait beaucoup de travail à faire là-dessus, puis je pense que ça serait le premier à te le dire. Là. Mais non, c'est ça, côté lutte là, technique, là, moi je trouvais que ce gars-là flottait dans le ring. Là. Puis, j'ai beaucoup, pas imité, là, mais j'ai beaucoup pris de ses techniques dans le temps que je faisais de la lutte, puis pour essayer de les incorporer là, dans mes shows. Il se faisait surnommer l'homme de prise, ouais, puis je me souviens, ouais. À une certaine époque, il avait pris un entraque avec Chris Jericho, puis genre pendant toute l'entraque, il faisait une prise, il démanchait, il replaçait le gars, il refaisait une autre prise pendant genre 20 minutes. Aïe, sincèrement, c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup la technique. Le crossface, ça vient de lui. Ça vient pas de Chris Benoit, ça vient de lui. Ah oui, OK. Ouais. Ah, ouais. C'est intéressant. Vas-y, mon ami. Oui, il n'y a pas de trouble. Tu disais tantôt que tu avais commencé à faire des pratiques avec Marc Le Grizzly, la NCW, bien entendu, de House of Bomb. Ça t'a pris combien de mois avant de lutter régulièrement pour la NCW? Écoute, je l'ai rencontré à un show de la WWF au Centre Molson, Marc Le Grizzly. Oui. Puis il m'a donné la carte de la NCW parce que moi, dans ma tête, là, la lutte, c'était juste la WWF à l'époque. Là. Comme un peu tout le monde, là, les fédérations indépendantes, là, je connaissais pas bien ça. Fait que j'ai rencontré Marc, puis Marc, il m'a vu que je tripais là, vraiment fort. Là. Puis il trouvait que j'étais quand même costaud là, pour mon âge. Puis, fait qu'il dit, écoute, on cherche toujours des recrues. On a une fédération à Montréal, la NCW, puis voilà ma carte. Puis si ça t'intéresse, là, viens à une de nos pratiques, là, puis tu verras c'est quoi. Là, fait que là, moi, dans ma tête, là, ça l'a... Cling! La lumière s'est allumée. C'est ça. Carrément, là. 3 jours après, j'appelais Marc Le Grizzly. 3 jours après, j'avais mon premier cours. Et 3 mois après, j'étais dans le ring pour la NCW. J'étais prêt. Wow! Fait que finalement, c'est ça. Fait que Charles, c'est un naturel, vraiment. Là, c'est vraiment... T'as toujours persévéré là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand l'expression, là, j'avais ça dans le sang, là, c'est ça. Ah, c'est exactement ça. Ouais. On a écouté récemment... une biographie de Booker T, hein, puis c'était ça, tu sais, lui, il est arrivé dans l'arène, puis tu sais, c'était naturel, là. Tout sortait, tu sais, c'était fluide, puis tout ça, tu sais. C'est un des plus grands aussi. Oui, exactement. Et puis, suite à toute ta carrière, puis tout ça, j'imagine que tu as subi quelques blessures, dans le fond, au fil du temps. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Parce que malheureusement, Christy, c'est les risques du métier, comme on dit. Ça, puis, malheureusement, on vit avec ça un peu trop souvent dans ce milieu-là. Écoute, moi, j'ai été probablement un des chanceux. Là. Côté grosse blessure, là, je me suis jamais cassé un os. J'ai jamais eu de ligament déchiré ou de muscle déchiré. Fait que les grosses blessures, j'ai jamais vraiment eu ça. Ce que j'ai eu de pire, c'est si jamais vous me voyez, là, j'ai deux belles lignes dans mon cou à hauteur du cervelet. Là. Okay. Un de ceux-là, c'était dans ma première année. C'était Challenge Mania 7, puis j'ai fait ce qu'on appelle un portefeuille entre la 2 puis la 3. Ah ouais, ok. Ouais, fait que je me suis cogné le derrière de la tête sur le côté du ring qui à l'époque il n'y avait rien pour le couvrir. Ça fait que disons que c'était pas beau à voir, là, ça coulait beaucoup. Ouais, j'imagine. Et puis j'ai été à l'hôpital, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai été à l'hôpital. Puis c'était l'intronisation de Frank Blues au Temple de la Renommée de la NCW. Ouais, c'était le début du Temple de la Renommée en plus. Ouais. Puis moi, Frank Blues, là, je l'adorais, puis c'était une personne vraiment importante pour moi. Fait que quand je suis arrivé à l'hôpital de Joliette, la femme a dit c'est pas beau, va falloir qu'on te mette, qu'on t'attache ça bien comme faut, puis il va en avoir plusieurs points de suture. Puis je dis non, je dis fin que me mettre un bandeau, là, désinfecte-moi ça, parce qu'il faut que je retourne à l'aréna, c'est une intronisation de Frank Blues, faut pas que je manque ça. Ah, la passion dépense toutes les. Ben oui. Fait que là, je suis revenu à l'aréna, puis j'avais des gaz là, l'entour de ma tête. Okay, là. Ouais, c'est malade. Hey, c'était très beau à voir. Puis l'autre, c'est un coup de chaise de chacal qui a mal viré un petit peu. Là. Ouais, je pense que j'ai trop donné le dessus de la tête au lieu de le front. Ouais, OK. Fait qu'elle la chaise, elle a ouvert, puis le dossier m'a cogné en arrière de la tête, puis ça l'a ouvert, puis ouais. Pas la même place encore. Comment?
Pas la même place encore, là. Ouais, c'est ça. Eh bien, juste en dessous. Juste en dessous. OK, ça, c'est l'autre. Oui, c'est ça. C'est vraiment juste en dessous de l'autre, là. Fait que ça me fait deux belles cicatrices en arrière que j'aime bien montrer, là. Ça... Puis, que... dans le fond, tu viens de parler de Chacal. Dans le fond, c'est vers là où je veux m'en aller. Ben oui. Tu as lutté longtemps sous le nom de Accès Interdit avec Chacal en équipe. Ouais. Mais tu as aussi eu une run en single. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimes le mieux dans le fond? Est-ce que tu aimes mieux travailler en équipe ou tu aimes mieux travailler en solo? Je vous dirais que présentement, je te dirais peut-être en équipe parce que il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup des vraies bonnes équipes. Là, comme TDT, exemple, là, que j'ai eu un match avec eux là, samedi passé. Yes. Des vraies bonnes équipes là, qui rentrent partout et qui font des galas partout juste en équipe. Là. Il n'y en a pas gros de ça. Puis j'aime le jeu que tu peux faire là, dans un match en équipe. Mais c'est sûr qu'en simple, c'est vraiment là que tu peux te démontrer là, à 100%. Puis c'est vraiment avoir un match comme tu veux l'avoir. Puis montrer tes prouesses finalement. Là, t'sais. Avec la foule aussi, ça se travaille mieux un petit peu. T'es vraiment plus focus sur toi-même, tandis que là, ben c'est ça, ça le dit, c'est un travail d'équipe. Tu peux travailler ensemble avec quelqu'un, un collègue. Puis quand t'es capable de trouver quelqu'un comme Chacal, qui a une bonne expérience, ben oui, puis que tu sais, un des meilleurs du Québec, il travaille bien, puis il se travaille bien, tu sais, ben, ça fait en sorte que dans le fond, ça fait un beau total package, si on peut dire, tu sais. C'est vraiment, ça doit être super le fun de travailler avec Chacal. Tu sais, j'ai été plusieurs années, puis je peux te conter une anecdote, là, pourquoi qu'on a commencé en équipe, là, c'est bien drôle. Je vais te la dire tout de suite après, là. Mais. Avec Chacal, écoute, ça a toujours été facile. Là. Chacal, c'est un. Moi, j'appelle Chacal le général du ring. Là. Un peu comme Triple H. Là, c'est un gars qui va se souvenir de tout. Puis il manquera pas une chose là, qu'on avait à faire dans un match. Puis c'est vraiment un gars fantastique. Là, il m'a aidé beaucoup à me dépasser à l'époque. Puis je pense que c'était réciproque aussi là, de ma part envers lui. Là. Mais c'est quelqu'un de très accompli dans le domaine de la lutte, puis ça a vraiment été numéro un. Puis la raison pourquoi on a commencé en équipe, c'est moi qui ai fait rentrer Chacal aux pratiques avec Grizzly. Okay. Je pense qu'il est arrivé peut-être deux mois après moi. Là. Ça n'a pas pris de temps lui aussi là, à rentrer. Pour des shows de lutte. Mais à toutes les fois qu'on pratiquait ensemble, moi puis Dave, moi puis Chacal, on l'appelait Dave, là, ça a sorti, fait que... Non, c'est bien correct. C'est bien correct. À toutes les fois, là, il arrivait toujours quelque chose qu'on se blessait là, sur une niaiserie. Là. Exemple, je vais le ramasser par terre puis j'ai mal le pouce dans l'œil. Fait qu'il arrivait, là... Il arrivait plein de choses comme ça. Puis là, Marc, à un moment donné, il a dit, là, les boys, là, on va vous mettre en équipe, là, parce que ça a comme pas d'allure, là. Il arrive tout le temps. Ouais, là. Ça a commencé comme ça. Fait qu'on a eu peut-être deux ou trois choses qu'on était en simple. Puis ça, je pense que c'était plus comme des try-outs, là. Où ce que Bertrand Hébert, le booker, nous regardait aller probablement. Puis il disait, OK, ces gars-là sont prêts, on va les mettre dans le ring, puis tout, là. Mais un coup qu'on a commencé ensemble, là, écoute, ça a tellement bien fonctionné qu'on a resté ensemble là, pendant des années. Là. Nice. On a, je pense, deux ou trois ceintures par équipe qu'on a eues. Ouais, c'est trois de mémoire. Ouais, Chase, est-ce que tu es le genre de gars qui aime mieux être heel ou être face? Et pourquoi? Donne-nous la raison. Heel à 100%. OK. Heel, là, c'est mon Dieu, comment je pourrais te dire ça? Tu peux faire carrément ce que tu veux, quand tu veux. C'est toi qui gères le match aussi la plupart du temps, là. Puis tu peux t'en sauver avec n'importe quoi là, envers la foule. Là. Fait que tu te défoules, c'est toi le roi et maître, puis c'est comme... Tu peux pas demander mieux, là. Tu ne peux pas demander mieux en effet. C'est un bon point que tu apportes là, au niveau du heel, parce que le heel,
s'il n'y aurait pas un heel, il n'y aurait pas le face. Parce que dans le fond, la job du heel, c'est de mettre le face over. C'est ça qui est le fun, parce que c'est comme valorisant d'être un heel. Parce que si tu ne fais pas bien ta job de heel, ben l'autre a l'air d'un jambon. Puis, si vous me regardez le visage un peu, j'ai pas vraiment un visage de babyface. Moi, je trouve, en tout cas. Ouais. Dans mes expressions, tout là je suis correct, là, je suis bien gentil, là, mais dans la vie de tous les jours, j'ai tout le temps le front plissé un peu, puis je suis tout le temps un peu comme ça, là, tu sais, avec mes yeux, puis tout. Fait que j'ai pas un visage de babyface, je trouve, puis de toute façon, heel, j'ai toujours trippé, là. Face aussi, j'aimais ça, là. J'ai eu des belles runs avec la mafia du Booker, là, dans mes premiers championnats, là. Ouais. Québécois, puis tout, là, ça a été vraiment plaisant, là, puis le fun. Mais, je sais pas, il y avait toujours un côté, j'aimais ça être heel, je pouvais faire un peu ce que je voulais, puis ouais, ça a toujours été ça, moi, heel. Durant toute ta carrière, dans le fond, est-ce que tu peux nous nommer des adversaires avec lesquels tu as aimé travailler? Tu sais, là, on a parlé de Chacal, ouais. Mais est-ce qu'il y en a d'autres dans ta carrière? Il y en a sûrement d'autres, c'est sûr. Oui. Oui, il y en a plein. Pierre-Carl Ouellet, c'en est un là, que j'ai vraiment adoré. Puis lui, il y a une loi un peu non écrite dans la lutte où que quand tu luttes contre un vétéran, c'est pas toi qui vas aller voir et lui dire « Hey, je veux faire ça, ça puis ça. Mm-hmm. » C'est toujours, tu vas voir le vétéran puis tu lui dis « Toi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le match? » Ben, Carl, sa réponse, quand j'y ai posé cette question-là, ça a été ben, n'importe quoi, mais toi, c'est quoi que tu aimerais faire? Écoute, il m'a déstabilisé là, complètement. Là. Écoute, j'aimerais ça qu'on fasse ça, mais c'est toi, là. Je revenais toujours à lui, là, tu sais. C'est ça, puis tu sais, comme par respect, tu veux comme pas froisser la personne qui a fait genre, mettons... C'est toute la. Mais c'est normal aussi. C'est normal, à cette époque-là, là, il y en avait fait pas mal plus que moi. Puis encore aujourd'hui, c'est pareil là, avec oui, les runs de Jean-Pierre Lafitte, je pense, hein, à cette époque-là. Jean-Pierre Lafitte, oui. Oui, il avait quitté à WWE. Il était à WCW aussi. Ouais, il a fait un petit run à ECW pas trop longtemps aussi. Yes, ouais. Ma mémoire est bonne. Là. Oui, puis Impact aussi, dans les débuts, là, il faisait Mr. X, je pense. Là, hein. Ouais, il y a 2002-2003, ces années-là. Ouais, c'est ça, exact. Contre Chris Sabin. Où il avait killé tout le monde. Dans la... Il avait été contre Chris Sabin, si je me rappelle. La fois qu'il avait fait le bomb sans rampe, il avait fait un front flip sans rampe. C'était malade. C'était assez débile. Puis faut je dise, évidemment, Frankie the Mobster puis Chacal, là, hein, je peux pas passer à côté de ça parce qu'on a tout fait ensemble, là. Mm-hmm. Puis, il y a un match à Toronto, je vais toujours me souvenir. On s'en allait à Toronto pour la AWF, je pense que ça s'appelait à l'époque. OK. L'Apocalypse. De Ron Hutchison. Ouais. Ron Hutchison. Puis, c'est là que Edge, Christian, Trish Stratus, Gail Kim étaient. Edge et Christian n'étaient plus là, mais Gail Kim est encore là. Mm-hmm. Fait qu'on l'a rencontré là-bas, Gail Kim. Mais oui, anyway, tout ça pour dire que, écoute, on n'a pas dormi la veille du tout, puis on est... complètement brûlé, là. Complètement brûlé. On a quand même fait notre 6h30 de route. On est arrivé au show, puis je pense qu'on s'est tapé le meilleur match qu'on a jamais fait. C'était un triple threat entre moi, Marc-André, Frankie Monster et Chacal. OK. Je m'excuse, ça sort du sol. Non, il y a pas de problème. Puis c'est ça, on a vraiment là, sorti un de nos meilleurs matchs parce qu'on se connaît tellement par cœur, puis il y a tellement de chimie entre nous trois que ça a été là, vraiment excellent. Puis ben, il faut que je parle aussi de Samoa Joe. Ouais, c'est vers là qu'on s'en allait, dans le fond. Fait que... Ben, c'est ça, exactement. J'y ai pensé aussi là, que ça allait faire un lien. Là. Mais Samoa Joe, j'ai pas le choix de le dire parce que je vais vous conter l'histoire au complet, là. C'était supposé être moi en simple, un contre un contre Samoa Joe au départ. OK. Puis j'ai appelé Marc le Grizzly parce qu'à cette époque-là, ça va mener un autre lien à une autre question plus tard. Je ne savais pas que je souffrais de l'apnée du sommeil. OK. Fait que j'étais vraiment pas à 100%, puis je venais d'avoir un accident d'auto qui m'avait donné un traumatisme crânien une couple de mois avant. Fait que j'ai dit à Marc, je dis écoute,
les portes sont fermées partout là, maintenant. Là. Je ne peux pas aller dans le professionnel comme je veux. Fait que si je suis pour lutter avec un gars comme Samoa Joe, faut que je sois à 100%. Moi, je veux qu'il se souvienne de moi. Puis je veux que quand il retourne à ROH, si jamais j'arrive là à un moment donné, qu'ils disent « Ah oui, ce gars-là, on a eu un méchant bon match ensemble, ça serait bon que vous le preniez. » Puis, tu sais, ça marchait comme ça un peu les contacts à l'époque. Là. Oui, oui, vraiment. Fait que moi, je voulais pas avoir l'air d'un jambon aux yeux de ce gars-là. C'est pas de le mettre sur un piédestal, là. Tu sais, c'est pas ça du tout, là. C'était vraiment moi, là, je voulais être à 100% contre ce gars-là. Fait que j'avais dit non à Marc. Là, Marc, il dit, ouais, mais là, qui si tu veux que je mette contre? Ben, je sais pas, moi, Frankie the Mobster, Chacal, ouais, mais Chacal, il y a un match déjà, hein, qui, mais je sais pas, Frankie, Kevin Steen, il est hot, Kevin Owens, Kevin Steen, il est hot, mettez-les contre lui, là, il est fort, là, présentement, tu sais. Ouais, je vais y penser. Finalement, il me rappelle 2 semaines après. Puis il me dit, on va mettre Kevin Steen contre Samoa Joe un contre un, mais je veux absolument que tu joues avec Samoa Joe un peu. Ça, c'était le ce que Marc avait dans la tête, finalement, là, tu sais. C'était le plan B. Fait que, ouais, il voulait absolument que je fasse la lutte avec Samoa Joe. Là. Lui, là, c'était, tu sais, on était à peu près à même shape. J'étais un petit peu plus grand, un petit peu plus large que lui, là, mais on était à peu près à même shape, le même style de lutte, là, un peu, puis mm-hmm. Fait qu'il voulait absolument, là, c'était dans sa tête. Fait qu'il dit, ce qu'on va faire, c'est que pendant le match, on va virer ça un match par équipe. J'ai appelé ça Samoa Joe. Samoa Joe, il est correct avec ça, il n'y a pas de trouble. Fait qu'arrivé au show, je parle avec Samoa Joe. Puis j'ai dit, écoute, je viens d'avoir un traumatisme crânien. Fait que je te demande juste de faire attention à cette partie-là. Ouais, mais c'est un ange, hein, ce gars-là. Vraiment fin, là. Ouais, mais t'es-tu correct pour le T? Le médecin, il est pas trop pour, là, mais moi, je suis correct. Et, OK. Fait que j'ai dit, fais juste attention à ma tête. C'est pas trop. Écoute, ça a été numéro un, parfait. Puis, durant le match, il m'a assis en dehors du ring, là, ce qu'il faisait souvent à l'époque, là. Il t'assoit proche des guardrails, là, puis il s'en va à l'autre bout, puis il court vers toi, puis il te fait un kick au visage, là. Oui, son face wash, Kathleen, là. Ouais, c'est ça, mais il faisait comme un dans le ring aussi. Ouais, il passait ça sur le bord de la face. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'il l'a fait comme 3 fois. Puis après ça, il m'a regardé, puis il a fait un petit clin d'œil, puis il m'a juste donné une petite tape dans le cou. Hein. Comme tu donnes une tape dans le dos à quelqu'un pour dire merci ou quelque chose comme ça. T'sais. Fait que ça a été vraiment un gentleman. Là. J'ai vraiment adoré mon expérience avec Joe, puis c'était vraiment le fun, là. Oui, Chase, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de l'invasion de la défunte CCW à Québec dans le début des années 2000? Je vais pouvoir te backer là-dessus. Puis te, ouais, c'est ça, parce que écoute, ça fait tellement longtemps. Puis, ouais, ça fait 20 ans, peut-être. Ouais, c'est pas un petit peu plus même. Ça, c'était en quoi? 2001-2002. 2000 ou avant? Ouais, c'était en 2001-2002. 2001-2002, puis... Si ah on ouais? fait un retour en arrière, dans le fond, à l'époque, il y avait 3 compagnies de lutte. Le Big Three, qui appelait? Oui, qui était dominante au Québec. Il y avait la NCW, la ICW, puis la CCW à Québec. Ouais. Puis c'était toujours un peu là, des guerres un peu de territoire à cette époque-là. Puis je me souviens qu'à une certaine époque, deux fédérations, entre autres, c'était comme... comme un peu fusionné pour certains spectacles, okay. Dont la NCW puis la CCW. Donc là, je me souviens que Sonny lui roulait, dans le fond, ses shows le vendredi soir. Mm-hmm. Fait qu'il avait fait venir toi, Mobster, Chacal. Chacal aussi, je pense. Ouais. Et Dream Killer, de mémoire. C'était oui. ça à cette époque-là. Puis il y avait eu une storyline derrière tout ça. Puis, pour essayer de copier l'Invasion. Ouais, c'est ça, parce qu'à cette époque-là, c'était comme c'était la mode là, de l'Invasion où. Le WCW essayait de conquérir. Ben, oui, puis c'est ça, c'était le Monday Night War, là, tu sais. Oh, mais c'était après, ça, c'est quand Vince a acheté le WCW. Ouais, c'est ça. Fait, ils ont voulu faire un petit peu la même chose. Ouais, ça. C'est ça, exactement. Dans le storyline, là, pas dans. Yes. Fait que, tu sais,
sais que tu as compétitionné une couple de fois avec Sonny, puis tu sais, ben, oui. Si tu veux, tu peux nous parler d'une certaine anecdote qui est quand même assez drôle à propos de Sonny. C'est un grave intérêt. Ouais, je peux. Ça concerne Chacal aussi. Okay. Sam, on était en équipe, là, d'ailleurs, là, pour ce match-là contre Sonny, mais je me souviens plus qui était avec Sonny. Mais il y a eu un moment donné où Chacal, Sonny était couché dans le ring, puis Chacal, il allait donner un stomp sa tête avec son pied. OK. Ouais. Fait le stomp. Puis là, on entend Sonny. Ouais. Puis on entend Sonny plus fort. Ouais, OK. Fait que puis moi, je l'entendais là, dans le coin. Là. OK, en plus, toi, tu Chacal, l'entendais. Ouais, ouais, ouais. Chacal, il en donne un plus fort. Il dit, là, arrête, là, plus fort. Il en redonne un autre, mais crime, il se tombe, là. C'est pas une main morte, là. Il va d'aplomb, là. Moi, je regardais ça, puis j'étais, ouh, ah, i, à tous les fois qu'il le faisait. Okay. À toutes les voix, il disait plus fort, plus fort, plus fort. Il a fait ça comme 4-5 fois. Ah, là, pas qu'il le dit non plus, là. Écoute, je vous le dis, là, il tapait là, comme si tu essayais d'écraser une noix sur le ciment avec ton pied. Là. C'est fou, là. C'est fou, là, comment il tapait fort. Puis Dave, il n'en revenait pas. Là. Il était comme, mais là, je peux pas aller plus fort que ça. Je vois le verre, il m'a le tué. Puis c'était la même chose, là, Sonny, avec les coups de chaise. Moi, je me souviens. Ah, il aimait ça dur. Moi, je me souviens, à un moment donné, Sonny avait lutté contre Jake Matthews. À Québec. Ouais, OK. Puis, il y avait un spot à un moment donné où est-ce que Jake allait dans le ring, puis est-ce que Jake avait une pelle? Je ne sais pas si c'est encore. Puis, il fallait qu'il frappe. Il venait faire une intervention, je pense. Fait qu'il fallait qu'il frappe. Ils ont préparé le spot parce que bon, c'est plus que la lutte, c'est très déterminé, mais Christy, les performances, les gars, ils les font pareil. Puis on a beau dire ce qu'on a Sonny, puis tout ça. C'était un gars qui était solide à l'époque. Puis, t'as fait en béton, ce gars. Ouais, c'est ça. Fait que Jake pratique avec, puis il donne un coup, puis un bon coup, là. Puis Jake, on s'entend, il était réputé pour. C'était pas un enfant d'école, c'est un gars qui jouait au hockey. Il est capable. Il est capable de rentrer, puis Criff, il fait ça pour de vrai sur Sonny. Fait que moi, je me souviens, Sonny avait dit, écoute, Jake, pendant le show, je veux que tu frappes le plus fort possible. Faut que ça soit vrai, faut que ça a l'air vrai, tu sais. Puis, bon, là, le spot arrive, puis là, Jake, il frappe de toutes ses forces avec une pelle à jardin, là. La pelle à jardin, elle a cassé. OK, la pelle à jardin, elle a cassé. Puis je me souviens, bon, en fait, le spot, ils sont retournés en arrière, puis là, Sonny avait dit à Jake, « Hey, le gros, t'aurais pu fesser plus fort. » Oui, il était fait comme en béton armé, je sais pas. Ah non, c'est fou. Ah, mais c'est la je pense qu'il aimait la douleur, tu sais, il y a des... Pas masochiste, là, mais je parle dans la lutte, là, tu sais, dans la vie tous les jours, je ne sais pas, là, mais je pense pas qu'il était comme ça dans la vie tous les jours, là. Un genre de Mick Foley qui aime ça stiff, là. Exact. Il aimait ça prendre, lui, il fallait que ça rentre là, au toss, là, parce que même tes moves que tu y faisais, les coups de poing, les moves les plus basiques que tu pouvais trouver, il fallait que ça rentre au toss, là, parce que lui, pas qu'il acceptait pas ça, là, mais il aimait pas ça, c'était trop normal. Là, il fallait que ça soit plus fort. Ça revient à dire un peu, tu sais, les adversaires les plus coriaces, ben, c'est sûr que Sonny a dû en faire, partie. Oh, il en fait partie, c'est clair. C'est clair qu'il en fait partie. Yes, vas-y, mon ami. Ah oui, pas de trouble. À la NCW, tu as été 6 fois champion poids lourd de la Fédération, champion québécois, bien entendu. 1 fois champion poids léger et 5 fois champion par équipe. Comment te sens-tu après ces merveilleux accomplissements? Écoute, j'ai ma plaque du temps de la renommée aussi, hein, fait que ça aussi, ça a été... Ben oui. Mais tu sais, faut se dire une chose là-dedans, là. Je sais qu'on parle de moi en ce moment, mais si c'était pas des autres, ça serait pas arrivé ça aussi, hein. Fait que la lutte, c'est un jeu à 2, à 4, à 6, peu importe, mais c'est un jeu entre tout le monde. Mm-hmm. Puis, si tu veux avoir de l'air $1 million, mais ça prend quelqu'un qui te fait avoir de l'air pour $1 million. Fait que, mais oui, 6 fois champion québécois, j'aurais jamais pensé à ça avant. Moi, 1 fois, puis j'aurais été pas satisfait, là. Mais 6 fois, faut croire que j'ai eu des bonnes runs, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais,
on en parle souvent avec nos invités, puis tu sais, quand on les met sur le fait accompli, sur le papier, tu sais, puis on leur dit, regarde, c'est ça que tu as fait, souvent, ils font comme, ils ont tellement fait de... Tu sais, tu t'en rends pas compte parce que t'es dans le mode, puis tu fais tes affaires, puis tu chaînes, puis tu travailles en équipe avec tout le monde, comme tu dis. Puis, tu sais, c'est le fun de ramener des beaux faits comme ça, tu sais, parce qu'honnêtement, tu le mérites, tu sais. Fait que c'est le fun. Ben, merci. Puis dans les faits, moi, que j'ai vraiment là, le plus apprécié, ben, champion québécois, c'est clair, là, champion par équipe, puis champion de la télévision aussi. Ça, c'est clair, là. Mais les 6 fois que j'ai été dans le top 500 des meilleurs lutteurs au monde aussi, dans le PWI. Fait que, tu sais, j'ai lutté 9 ans à peu près, puis la 9e année, il n'y avait pas grand-chose qui s'est passé. Mais j'ai été quand même 6 fois de suite, là, dans le PWI 500. Fait que c'est quelque chose. Puis les trophées que la NCW donnait à cette époque-là, on faisait des parties de Noël, puis on se donnait des trophées un peu comme un gala, là, la disque, mettons, des choses comme ça. Puis, moi, j'avais souvent le lutteur le plus populaire de l'année. Fait que ça, c'était dans mes runs où ce que j'étais babyface. Fait que ça aussi, c'est niaiseux parce que c'est rien qu'entre nous autres, ça se passait, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Ça veut dire que j'ai fait ma job. Puis ça veut dire que je l'ai fait avec brio aussi. C'est ça. Fait que ça, pour moi, c'était bien important, là. Puis ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je regarde par là parce que j'y vois mes trophées. Là. Okay. que... ouais, juste avant l'émission, tu voulais parler d'un sujet pour sensibiliser les gens, une cause qui te tient à cœur, c'est-à-dire les problèmes de sommeil ainsi que l'apnée du sommeil. La parole est à toi, mon ami. Ben merci. Jonathan, je t'en ai parlé pas mal de ça par Messenger. Là. Yes. Mais je vais commencer par dire que souvent les gens entendent troubles de sommeil, portent pas plus attention à ça. Et pourtant, tout ce que ça peut vous faire, c'est dément, là. On parle du système immunitaire, on parle de votre santé physique, mentale, évidemment, parce que là, vous pouvez plus rien faire, là. Tout ce que vous prenez pour acquis dans la vie, bien manger, faire de l'exercice, du sport, aller à l'épicerie, prendre votre auto pour aller travailler, le travail, votre famille. Moi, je disais tout le temps non à mon fiole, là, avant qu'on découvre que je faisais de l'apnée. Puis mon fiole était jeune, mais quand il est parrain, ça te tente de jouer au soccer avec moi? Non. Le parrain, il est fatigué, il est pas capable. Fait que ça revenait toujours à ça. Il y a plus rien qui fonctionne dans votre vie. Jusqu'à temps que je me fasse tester. Puis quand j'ai eu ma machine, pour vous mettre en contexte, ça se calcule par le nombre de fois que vous arrêtez de respirer par heure. OK. Une moyenne au Québec, c'est environ 30 fois à l'heure. Un cas extrême, ça se situe à peu près entre 50 et 75 fois à l'heure. Moi, j'étais à 120,6 fois à l'heure. C'est un bordage. Puis c'est le 0,6, c'est parce que c'est une moyenne. C'est toujours une moyenne qu'ils font. Ça veut dire que j'arrêtais de respirer aux 30 secondes en moyenne et mes arrêts respiratoires duraient entre 19 et 34 secondes. Tabarnak, fait que finalement, tu respirais. Des plans pour mourir asphyxié. Oui, ben oui, ça c'est quasiment. Je suis vraiment pas bon en mathématiques, là. Mais d'après moi, là, ça ressemble à en haut de 90% de mes nuits que je respirais pas. Ben oui, on donc, c'est tabarnak. C'est fou, là. Fait que c'est très insidieux comme maladie parce que ton corps va s'habituer à ça. Et toi, tu ne le verras pas. Jusqu'à temps que tu aies ta machine, ta CPAP, qu'on appelle, et que là, tu vois pour la première fois de ta vie, parce que dans mon cas, j'ai eu ça toute ma vie, okay. Et que tu vois pour la première fois de ta vie que, ah, c'est ça, bien dormir. C'est ça, capoter la première journée, là. Écoute, la première journée, là, je vais commencer par dire, moi, faire le ménage chez nous avant ma machine, là, c'était l'histoire d'une journée, puis c'était rien que passer à mop, puis passer à balayeuse avant à mop. Ça, c'était l'histoire d'une journée, là, pour moi. Là. OK. Ça me prenait tout, là. Aux 5 minutes, j'allais prendre des breaks parce que j'étais tellement brûlé, là, que c'était ça, là, OK? Quand j'ai eu ma machine, là,
puis que je me suis levé la première nuit, là, j'étais de même chez nous. Là. Je me tenais pas, là, j'avais comme trop d'énergie. Puis là, je me suis mis à regarder mon appart. Là. Je, voyons donc, c'est donc bien le bordel, ça. Je vous le dis, là, j'ai lavé le plancher avec la balayeuse et tout. J'ai poussetté à grandeur. J'ai lavé les murs, le plafond, mes portes patio, mes fenêtres, ma salle de bain au complet, là, le bain, là, c'était une méchante job là, pour moi laver ça avant. Là, okay? J'ai tout fait ça un avant-midi. Puis j'avais encore de l'énergie après. Puis je savais pas quoi faire avec cette énergie-là. Je tournais en rond chez nous. Je n'en revenais pas. C'est malade. Fait que c'est ça, là. Puis depuis que j'ai ma machine, j'ai plus jamais eu un rhume. Puis avant, mes rhumes, à tous les hivers, ça virait en sinusite. Fait quand je vous parlais de système immunitaire, là, ça en fait partie de ça. Ah, c'est malade. Les plus gros problèmes que vous pouvez avoir, là, c'est les pertes de mémoire. OK. Puis ça, j'en ai encore aujourd'hui. Là, la mémoire courte, là, j'ai un petit peu de la misère avec ça. Là. OK. Mais ça s'en va vers le mieux, par exemple. OK. Ben, c'est parce que quand j'ai eu mon retour, là, je me suis souvenu de tout ce que j'avais à faire dans le match. J'ai rien oublié. Ouais. Puis ça, pour moi, là, juste ça, c'est un accomplissement parce que j'ai toujours eu de la misère avec ça. Toujours, 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 toujours. Puis à cette époque-là, tu comprenais pas c'était quoi. Fait que j'imagine que tu faisais juste dire « Chris, c'est le stress qui me fait oublier des affaires » ou tu sais. Mais en réalité, puis, c'était pas ça « fuck all » là, tu sais. Non, puis pour revenir un peu à ce que tu viens de dire, je luttais contre Novocaine un soir. Puis j'ai rien contre Novocaine, là. C'est un ange, ce gars-là. OK? Je l'adore. Mais moi, j'étais réputé pour être un gars qui est capable de suivre des cruiserweight, qui est capable de faire des moves de cruiserweight. J'avais aucun problème à suivre n'importe qui dans le ring. Sauf que ce match-là, c'était vers ma fin de la lutte. Okay. J'avais à peu près 24 ans là, à cette époque-là. Et j'ai pas été capable de suivre Novocaine dans le ring là, comme j'aurais été supposé. Là. Fait que j'étais arrivé dans le vestiaire frustré, j'ai pitché des chaises, puis j'étais jamais comme ça, là. Jamais comme ça. Moi, j'étais un gars qui est dans son trou, dans son vestiaire, puis il fait ses affaires, puis... Fait que... Puis là, Yann vient me voir. Hein, « T'es-tu correct? » Je dis, ouais, c'est rien contre toi, je suis frustré contre moi, puis je comprenais pas pourquoi. Mm-hmm. Fait que j'avais 24 ans, là, puis mon corps commençait à décliner quand t'es supposé être dans ton pic physique ou presque dans ton pic physique, tu sais. Fait que dans mon cas, à moi, c'est mon clapet le problème. Okay. C'est physique dans mon cas. Mon clapet est trop fort pour la pression que je respire quand je dors. Fait qu'il reste fermé. Jusqu'à temps que mon corps s'active, le ronflement arrive, c'est comme ça que je reprends mon souffle quand je dormais. Fait que c'est ça que c'est. En gros, c'est ça. Moi, je vous le dis, là, vous avez des doutes sur votre sommeil, là. Allez-y. Consultez parce que moi, j'ai perdu 18 ans de ma vie avec ça, puis je voudrais pas que ça arrive à personne. Personne. Mais, suite à nos conversations, moi, j'avais déjà enclenché les démarches parce que je suis un peu dans la même situation, mais moi, c'est comme, je pense que c'est 50 fois par nuit à peu près là, que j'arrête de respirer. Puis chaque fois que je me lève, je suis fatigué, mais c'est parce que je suis comme habitué, puis ça devient néfaste parce que tu as l'impression que c'est le même puis que tu t'en rends pas compte, mais ton corps vient super fatigué. Fait que je suis vraiment content qu'on puisse prendre quelques minutes pour discuter de ça parce que souvent, ça force de sensibiliser les gens qui font en sorte que crime, on devient une société meilleure. Puis je suis vraiment content que tu aies pris 2 minutes pour en parler. Ben, il n'y a pas de trouble, puis je vais juste en reprendre un petit 30 secondes. Là. Oui, vas-y. À l'époque, là, les gens m'appelaient et disaient, viens donc voir un de nos shows, puis tout, tu sais, tu vas aimer ça, puis j'étais pas capable. Ça me demandait tout juste pour embarquer dans mon char puis me rendre sur place, de pas m'endormir dans le char, de pas tuer quelqu'un sur la route parce que je me suis endormi dans le char. C'est marrant. Fait, ça me demandait tout, puis je vais vous laisser sur une image forte, OK? Pour ce sujet-là, je parle, je vais vous laisser sur ce sujet-là avec une image forte. Avant ma machine, j'ai déjà passé un mois sans me laver parce que j'avais pas l'énergie pour le faire. C'est malade. Fait que j'étais rendu là. Quand vous dites là, le fond du baril, là,
l'ombre de toi-même. Ouais, c'est... Oh, ouais, c'est ça. C'est, sans, vouloir vrai, ça. Sans vouloir t'insulter. Non, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'était ça, là. Fait que lisez-les pas si vous avez des problèmes de sommeil. Maintenant, ils disent... Avant, ils disaient faut bien manger pour faire de l'exercice puis bien dormir. Maintenant, c'est plus ça. C'est faut bien dormir pour bien manger et faire de l'exercice. Ouais, le sommeil, c'est important, ça. Ouais, vraiment. T'arrives à la job, t'as pas dormi, oublie ça. Ben non, c'est sûr. Puis tu fais plein d'erreurs. Moi, je t'ai un gars de travailler de nuit. Là, si j'arrive puis je dors pas de la journée, oublie ça. Et ceux qui me disent, là, moi, je dors 4 heures puis je suis correct, là. Ça, là, c'est une histoire de génétique. Et il y a 0,01% de la population qui ont ce gène-là, qui les permet de dormir 2 heures ou 3 heures ou 4 heures et qui sont à 100% le lendemain. Ouais, Grégory Charles, genre. c'est ça que j'avais en tête. Ouais, il dort à peu près 3-4 heures par nuit. Puis, ouais, mais attends, là, je te dis 0,01% de la population. Ça n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Mon père faisait ça, me disait ça. Puis, c'est un gros fumeur, là, mais le médecin, il a dit tes poumons sont beaux. Il se demandait s'il fumait. Okay? Mais il est mort du cancer. Puis, je vous le dis, là, une des premières causes de l'apnée du sommeil, en particulier, là, ou de votre sommeil, point, là, c'est les killer cells qui appellent, c'est les cellules qui sont comme en forme de T. Là, puis, ces cellules-là, là, font partie des cellules blanches. Okay. C'est eux autres qui vont détecter tout ce qui est cancérigène, tout ce qui est pas bon dans ton corps. Mais quand tu dors 1 heure de moins dans ta nuit, ça veut dire de 8 à 7 heures de sommeil, okay, tu réduis tes killer cells de 40%. C'est fou, là. J'ai l'impression de parler avec un spécialiste. Ah, non, mais ils connaissent. Non, non, mais c'est parce que j'ai fait des recherches, là. On met rien en doute, c'est pas sûr. J'ai pas eu le choix là, d'en faire, là, tu sais. Mais... Fait que mon père me disait, là, moi, je dors 4 heures, puis je suis correct, puis il a fait ça 40 ans de sa vie. Quand il a pris sa retraite, là, il a commencé à dormir 8 heures, puis il m'a dit, j'aurais jamais dû faire ça. Puis savez-vous quoi? Il est mort à 67 ans, puis il est mort du cancer des os. Fait que je vous dis ça comme ça, là. Moi, je suis garanti, là, que s'il dormait 8 heures par soir depuis son existence, là, il n'aurait probablement pas eu de cancer parce que c'était le gars le plus en forme que j'ai jamais connu de ma vie. Aïe, aïe. C'est fou, pareil. Tu me fais une belle leçon de vie, honnêtement, puis c'est vraiment cool de t'avoir avec nous. En terminant, Chase, dans le fond, pour terminer comme à l'habitude. Mon collègue Benoît Laferrière, qui est Nostradabine, il prédit le futur de nos invités spéciaux. Donc, la parole est à toi, mon ami. Ouais, en tout cas, d'un, merci pour l'entrevue. Ça a été une expérience d'en savoir plus sur toi, dans le fond. Il n'y a rien là, ça me fait vraiment plaisir. Il n'y a rien là. Ouais, je te prédis sûrement pas une troisième cicatrice en arrière de la tête. J'espère. Mais en tout cas, je veux te dire, il n'y a pas juste moi qui te prédis, mais Jonathan aussi, on te prédit bien du succès dans ton retour sur le ring. Tu recommences progressivement, puis on te souhaite vraiment le meilleur. Le meilleur des succès. Je sais pas si je peux dire progressivement parce que ça va ben trop vite. Là. T'as fait un match samedi passé? Ouais, c'était mon gros retour là, le samedi passé. Okay, puis c'était contre PDT en plus. Là, c'était pas contre PDT. Non, ça a dû brasser un peu. Écoutez, j'étais pas loin de 400 livres il y a 3 mois. J'ai perdu 69 livres en 3 mois. OK. Puis il faut que je change ma garde-robe au complet d'ailleurs. Ça va te garder occupé. T'as un mettre devant la caméra. Ça coûte cher. Le coût de la vie coûte cher, ça, c'est sûr. C'est débile. Puis, ouais, c'est ça, exact. Mais moi, j'avais un plan en tête, puis c'était février-mars. Okay, puis là, ça déboule les bookings, là. Fait que. Ça va vite, là. ouais, ça va vite. Yes, super. Ben, merci beaucoup, Charles, pour cette merveilleuse entrevue. Honnêtement, un vétéran de la lutte qui nous a appris plein de belles choses aujourd'hui. Ben oui. Donc, c'est ici que se termine notre émission spéciale avec Chase Ironside. Merci beaucoup et à bientôt, tout le monde. Merci.